Salut à tous, c'est Ariana Tonk 147. Non, c'est nul comme intro ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ariana Tonk 147. Non, là je recopie hyper fort Matthew Potter. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Non, là je recopie Léa Oumra. Finalement, je trouve que Salut à tous, c'est Ariana Tonk 147, c'était mieux. Bref, aujourd'hui je vais faire le tag Ultime Harry Potter. Donc commençons tout de suite avec la première question. Donc ton méchant préféré. Alors je dirais que c'est Rogue. Parce que on croit tout le temps qu'il est méchant et tout. Enfin, sauf au début quand il a sauvé Harry dans le 1, mais sinon on croit tout le temps qu'il est méchant. Et à la fin, quand on découvre qu'il n'est pas méchant, on voit qu'il a été hyper courageux et tout ça, donc Rogue. Voilà. Donc mon Weasley préféré. Alors moi j'ai deux Weasley préférés, c'est Fred et George, parce qu'ils sont super drôles et tout ça, donc Fred et George. Alors mon personnage féminin préféré, donc c'est Hermione, parce que... elle a toutes les qualités, tout ça, enfin, elle est intelligente et tout. Et, enfin, sauf dans le 1 et le 2, elle est vraiment Miss Parfaite, tout ça, qui a toujours des bonnes notes, enfin, voilà. Mais à partir du 3, elle commence un peu à se calmer. Et on voit vraiment que c'est quelqu'un de bien, et donc, voilà. Donc, mon prof préféré. Mon prof préféré, c'est McGonagall, parce que d'un côté, elle est sévère, mais d'un autre côté, elle est hyper gentille et tout, donc McGonagall. Passer une journée à écouter Lockhart parler de lui-même ou laver les cheveux de Rogue. Laver les cheveux de Rogue parce que passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même, non, je pourrais pas. Donc voilà. Dualiser Molly en colère ou Bellatrix ou une Bellatrix euphorique. Molly parce que je sais qu'après elle redeviendra gentille tandis que Bellatrix, elle est folle tout le temps. Donc embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage. Alors là, les deux me font très peur, mais je dirais... embrasser Voldemort, c'est juste hop, un petit bisou, et après c'est fini. Donc voilà. Monter un hippogriffe ou un éclair de feu. Alors là, vraiment, les deux me font rêver, parce que si c'est l'hippogriffe, si c'est comme dans le 3, qui survole le lac, comme ça doit vraiment être génial. Et un éclair de feu, je pourrais faire plein de figures et tout avec. Donc les deux me font rêver, donc je sais pas. Donc un film que tu préfères au livre. Alors non, aucun, parce que simplement je préfère les livres aux films. Même si j'aime beaucoup les films, je préfère les livres. Donc quelle maison t'as mise tout de suite en confiance? Alors tout le monde dit le terrier et tout ça, mais pour changer un peu, moi je dirais la maison de Harry avant que ses parents soient morts, à Godric's Hollow, parce qu'il devait sûrement être très bien dans cette maison et tout ça. Il formait une petite famille très chouette, enfin voilà. Donc je dirais la maison à Godric's Hollow. Alors, dans quelle maison à Poudlard serais-tu? Donc moi, sur Pottermore, je suis à Poufsouffle. Et sur Hightech, je suis à Serre d'Aigle. Donc une de ces deux maisons. Mais évidemment, moi, j'aimerais bien être à Gryffondor, je pense, comme tout le monde. Mais bon, voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut!